Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. La ligne est ouverte, comme chaque soir, au 39-21. Vous pouvez bien sûr nous appeler pour nous parler de tout ce qui vous préoccupe, pour en parler avec moi, mais aussi pour en débattre avec d'autres auditeurs, partager vos expériences, confronter vos points de vue, ce qui vous permettra, je l'espère, d'avancer. Et si vous pensez pouvoir aider un auditeur, vous pouvez à tout moment composer ce numéro pour échanger à l'antenne. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 7 21 21, code nuit, ou nous écrire sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Ce soir, vous serez accueillis par Clémence Yassiba avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux consoles. 39-21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, nous avons reçu des nouvelles d'Ambroisine ce soir, qui nous a envoyé un mail. Ambroisine nous dit, voilà, je voulais donner des nouvelles depuis mon opération sur ma tumeur au cerveau. Grâce à votre aide, je suis partie sereine, à 1000 km de ma maison. J'ai été très bien entourée et surtout soutenue. L'intervention a été longue, plus longue que prévu, mais c'est du passé. Merci à Gaït, à Madeleine, à Jean-Marc, à Maïté qui est passée me voir, et surtout une très belle rencontre avec une jeune femme, Joëlle, qui est venue tous les jours me voir à l'hôpital, qui m'a tenu la main quand j'allais mal, qui m'a même apporté des petits plats maison, parce qu'à l'hôpital c'était pas franchement ça, et qui m'a accompagnée jusqu'au TGV pour le retour. Des gens comme ça, on en rencontre très rarement, mais il paraît que les auditeurs de Caroline forment une famille, et je le confirme. À chaque fois, je leur ai demandé pourquoi moi, parce qu'on avait envie de vous dire qu'il y avait du monde près de vous. Voilà les belles réponses que j'ai entendues. Aujourd'hui, je suis rentrée, je ne suis pas en forme, très fatiguée, je suis sous morphine, mais le professeur a bien travaillé. Il y a eu beaucoup d'appels, rien que pour moi, dans le service pour prendre de mes nouvelles. On m'a demandé qui étaient tous ces gens, j'ai parlé de votre émission. Du coup, Caroline, on écoute vos émissions en podcast dans le bloc opératoire depuis. Alors Ambroisine dit « Je suis trop fatiguée pour vous appeler ce soir, mais je vous promets de venir faire un coucou et remercier de vive voix toutes ces personnes qui ont décroché leur combiné simplement pour tendre leur main. Très bonne émission et à bientôt Ambroisine. » Tout est dit, merci infiniment en tout cas Ambroisine d'avoir pris le temps, la peine d'écrire, de nous donner de vos nouvelles. On est soulagés de savoir que tout s'est bien passé et très émus de savoir que comme ça votre bouteille à la mer a été entendue et que bah, y a certains d'entre vous qui ont appelé, qui ont été là comme ça physiquement auprès de vous. On vous embrasse très 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 fort, hein, toute l'équipe, vraiment, et on vous souhaite de bien vous reposer, une bonne convalescence, et puis bah, rappelez-nous quand vous pouvez, quand vous serez un petit peu moins fatigué. Alors il y a Coco également qui envoie un petit message au 7-21-21 code nuit, qui dit « J'espère que vous avez trouvé des associations pour Sylvie qui nous parlait de sa maladie hier et de sa grande détresse. Bah, beaucoup d'entre vous ont appelé, hein, le 39-21, on a communiqué à Sylvie vos coordonnées, qui était heureuse de les avoir pour pouvoir échanger avec vous. Et notamment une auditrice qui a parlé d'une association et apparemment elle connaissait la maladie dont souffrait Sylvie. Donc nous, Clémence a rappelé Sylvie ce soir pour lui communiquer également les coordonnées de cette association. Donc on espère que Sylvie pourra
pourra trouver un réconfort et un soutien de ce côté-là. On accueille maintenant Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Est-ce que... Je ne sais pas comment commencer mon histoire, mais néanmoins, je vais y aller direct. Bah, c'est peut-être plus simple. J'ai envie de vous raconter une horrible histoire qui m'arrive à moi, que j'ai rencontré une femme. Et pendant 15 ans, j'ai cru vivre un bonheur total jusqu'au jour où j'ai découvert, grâce à un ami qui m'a fait imprimer des emails. Mmh. Et j'ai vécu 15 ans dans le mensonge. Ma famille, moi je suis écroulé. J'ai deux enfants avec cette femme. Je suis ni marié, ni pacsé, ni en concubinage. Voilà. Je suis par terre. Alors pourquoi ça. Dans le mensonge? C'est-à-dire, vous avez découvert qu'elle avait des relations parallèles? Que oui, se passe... elle m'a dit, maintenant j'ai le courage. Quand elle m'avait dit ça, c'est là où je commençais à me méfier. Elle m'a dit, écoute, depuis longtemps, je voulais partir dès la première année, j'ai pas osé, j'ai laissé traîner. 15 ans après, elle me dit ça. Et c'est là où j'ai franchi le pas et j'ai fait une démarche peut-être, je pense, illégale. Et j'ai pu imprimer tous ces emails. Et c'est dans les emails, elle a complètement vécu à côté. Voilà. Et moi, c'est pas un problème pour moi. J'ai deux enfants avec, une de 7 ans, un de 13 ans. Et je sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment commencer. Et mon problème, c'est les enfants. Voilà. Elle a rencontré cet homme de quelle façon? Parce que des emails, donc c'est sur Internet. Sur Internet, Facebook. D'accord, mais ça reste virtuel leur relation ou ils se sont déjà rencontrés? Bien sûr. Rencontrés et comment? Et pendant ce temps-là, les projets, oui, on va acheter sur la Côte d'Azur un truc, oui, en avant. Elle a fait comme si c'était rien. Et puis voilà, je ne sais pas si mon expérience puisse la partager avec les auditeurs. Néanmoins, j'ai tellement mal. Et je suis seul. J'ai personne à qui me confier. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de vous appeler. Oui. Si vous le permettez, pour que je puisse, excusez-moi l'expression, de vider mon sac. Mmh. Voilà. Mon problème maintenant, c'est les enfants. C'est tout. C'est-à-dire, quand vous dites les enfants, pourquoi? Parce qu'elle envisage de partir avec les enfants? Exact. Elle veut partir avec les gosses. Je sais pas si je dois continuer à donner les détails ou pas, j'en sais rien. J'ai tellement peur qu'on risque d'identifier notre histoire, m'identifier moi-même ou la personne. Mais le problème, c'est que j'ai connu cette femme par une avocate qu'elle me connaît très très bien. Elle m'a dit, je te connais, il y a une femme dans une catastrophe impossible. Est-ce que tu peux donner un coup de main? J'ai donné le coup de main et malheureusement, j'ai été avec quelqu'un auparavant. Elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Elle ne m'a pas lâché. Donc, je tiens à vous dire, pendant que je suis, elle me fait maintenant exactement le même coup qu'elle a fait auparavant. Elle était avec quelqu'un, elle a fait appel à quelqu'un d'autre, donc c'est moi, et maintenant c'est exactement la même chose, elle a fait appel à quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse partir avec. Moi, mon problème, c'est pas la femme, c'est les enfants. Alors, voilà. Bah, de toute façon, les enfants, vous n'allez pas en être séparés, hein, parce que même si effectivement elle part avec les enfants auxquels on a la garde, vous êtes le père et vous les verriez. Mais vous pouvez aussi demander la garde de vos enfants. À
Après, je ne sais pas ce que vous envisagez, ce que vous comptez faire. Je donnerai n'importe quoi pour avoir la garde. Parce que mais vous pouvez la demander. Oui, je sais, il faut que je fasse appel, saisir un juge. Mais pour, je sais, la femme... Ils ont 7 et 13 ans, c'est pas... 7 et 13 ans. Oui, donc c'est pas comme si c'était des bébés. Non. En général, c'est vrai qu'en France, surtout quand les enfants sont petits, ils sont souvent majoritairement, la garde est majoritairement attribuée à la mère. Hein. Bon. Mais là, bon, ils ont déjà 7 et 13 ans. 7 et 13 ans, la femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle ne travaille pas. Elle n'a aucun moyen. Rien. Absolument rien. Mais bien sûr, il est évident, bon, il faut que je me relève un petit peu. J'ai vu sous cachet, sans les cachets, je ne dors pas. Je ne dors pas. Depuis que vous avez appris. Mais là, elle a quitté le domicile ? Non, elle est sur le point, je ne sais pas. Elle est sur le point de le faire. Bon, je ne sais pas si je peux dire des choses à l'antenne ou pas. J'ai, première fois de ma vie, je passe à l'antenne. Alors, elle m'a demandé de l'aide de manière administrative pour qu'elle puisse accéder à une location pour obtenir un appartement. On lui demande certains papiers qu'elle me demande de lui fournir. Et moi, malheureusement, je ne peux pas falsifier. Non, mais de toute façon, objectivement, Pierre, c'est quand même pas à vous de l'aider à partir. J'aimerais bien qu'elle parte, parce que je peux plus. Je ne peux plus. Ah, vous ne pouvez plus Ah, je peux plus à la maison, c'est pas possible pour moi. C'est bon, il est évident que je vais. Oui, je comprends que la cohabitation est difficile, elle est puisqu'elle veut partir. Difficile. Oui, mais alors, puisqu'elle veut partir, elle veut partir avec cet homme. Pourquoi elle ne demande pas à ce moment-là à cet homme de l'aider ? Oui, mais ce qu'elle est en train de demander, le monsieur en question, c'est que j'ai chopé les emails dans lesquels elle lui raconte ma vie totale. Totalement. Elle raconte, heureusement, que tu es parti à telle heure, car une heure après, il est rentré. Parce oui, que j'ai ça, un travail qui consiste à me déplacer. Mmh. Et puis, elle a raconté, bon, je ne sais pas moi, par téléphone, elle lui raconte sa vie. Elle est en train de faire ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte d'avoir des enfants avec une telle mère. J'ai tellement honte. J'ose pas vous dire ce qu'elle a écrit. J'ose pas. C'est pas quelque chose qu'elle a dit, qu'elle a écrit. Elle a écrit des choses, mais moi, Alors, d'abord, il y a deux choses, Pierre. Oui. C'est vrai que pour vous, c'est forcément très douloureux. Très. Mais vous dites, elle peut être, elle vous déçoit. Vous êtes terriblement blessé en ce moment en tant qu'homme. Elle vous déçoit en tant que femme. Hein. Pour autant, en tant que mère, elle peut être bien vis-à-vis des enfants, non ? Comment elle est vis-à-vis des enfants jusque-là ? C'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Autoritaire ? Non, mais je serais de mauvaise foi et malhonnête de dire qu'elle est elle se comporte très mal avec les gosses. Non. Vous, en revanche, ben, je comprends, vous êtes terriblement déçu par son attitude. Parce que vu l'âge que j'ai, on a une différence d'âge de 14 ou 15 ans. Vous avez quel âge, vous, Pierre ? Moi, j'ai 63 ans. Oui. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune de 14 ans. Je ne comprenais pas. À un moment donné, elle me demandait des choses. J'ai dit oui, encore et encore. Bon, je ne sais pas. Elle veut refaire ses seins. Elle a refait le visage et les piqûres. Après, c'est les... Après 4 heures de sport par jour, après elle s'absente ceci. Bon, j'ai accepté tout ça. Bon, parce que moi, j'ai tout investi dans ma famille. J'ai tout. J'ai dit bien le mot, tout. J'ai tout mis. Je travaillais du matin, 12 heures par jour. J'ai une profession libérale. Bon, tout donné. Et le jour où je dis, non, jamais de la vie, ça n'existait pas, jusqu'au moment où je montrais des emails. Elle s'est mise à s'angoisser beaucoup sur son physique à un moment pour avoir recours comme ça à la chirurgie esthétique. Ah oui. Merci beaucoup de soulever ce problème parce que je ne sais pas avec quoi commencer, quoi terminer. Effectivement, je me suis rendu compte qu'elle a un grave problème à ce qui touche le physique et les habits. Elle tient
énormément à son physique. Voilà. Donc du coup, elle fait des piqûres sur, au niveau des yeux, au niveau du menton, de l'air. Elle fait oui. Chaque fois qu'elle y va. Elle est très angoissée par le fait. Elle a 49 ans là. Hein. Elle a 48 ans. Elle est très angoissée par le vieillissement. Oui, tout à fait, tout à fait. Je le reconnais qu'elle est. Elle est très portée là-dessus. Tout ce qui est mode, tout ce qui est habillé, elle est capable de trembler devant une chemise, un chemisier qui lui plaît énormément. Elle est capable de trembler. Bon, ça parle, c'est pas un problème. Il y a une chose qu'effectivement, un message du subversif là, qui me fait penser, j'y pensais au départ et puis après je l'ai occulté, qui dit finalement, vous n'auriez pas eu connaissance de tout ça. Si votre ami, parce que vous dites que vous n'avez personne à qui vous confier, mais non, en même non. temps, oui. C'est votre ami qui vous a fait découvrir tout ça. Quel rôle joue-t-il, lui, dans l'histoire? Comment a-t-il, lui, été informé? Qui c'est? Votre ami. Vous avez parlé d'un ami. Vous avez dit au départ, c'est grâce à un ami. Un ami, ah oui, quelqu'un qui m'a... qui m'a rendu ce service, parce que moi, je ne sais même pas comment on allume un ordinateur. Oui. Et j'ai fait part à celui-ci, qui dit, écoutez, j'ai un problème, est-ce que... J'ai posé des questions, il m'a dit, bouge pas, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, mais... Il m'a dit, je vais te sortir tous les emails de dernier mois, tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'elle a envoyé. Oui, mais pourquoi? Parce que vous aviez un doute. Ah, oui, parce que, voilà... C'est pas lui qui vous a dit ta femme envoie. Je sais que ta femme envoie. C'est vous aviez un doute et vous avez demandé à cet ami qui lui s'y connaissait en informatique de vous aider. Mais d'accord, c'est pas lui qui vous a dit ta femme doit te tromper. Ah non, je connaissais d'accord. pas ce monsieur. C'est auparavant quand il. D'accord, il a été simplement un instrument pour vous aider à vous servir de exactement. L'informatique. Voilà, d'accord. Et c'est parce que elle m'a dit ce qu'elle m'a dit. J'ai jamais osé. Te dire ça, depuis 15 ans, j'ai fait semblant. Oui, alors moi, je me méfierais un peu de ça, oui. Pierre, oui. parce que ça, c'est évidemment d'autant plus difficile, c'est ce que je retiens. Vous avez dit, voilà, finalement, je découvre que tout ça n'était que mensonge. Oui. Il faut peut-être faire la part des choses, parce que là, elle est dans une phase où peut-être elle envoie, tout voler en éclats, donc y compris votre relation, et donc elle est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mmh. Et quitte à dire qu'au fond, bah, elle vous a jamais aimé et que depuis 15 ans, elle fait semblant. Parce que elle est en train de, avec cet homme-là, rencontré sur Facebook, tout est merveilleux. Comme souvent oui. au début, et donc elle remet complètement en question votre relation même. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la réalité, parce que peut-être que depuis quelque temps, comment était votre relation à tous les deux? Est-ce que c'était tendu? Si vous commenciez vous-même à avoir des doutes, c'est qu'il y avait des problèmes dans votre relation non, de couple. Je les ai eus vers la fin ces dernières années. Oui, tellement. C'est ça. Mais il y a eu des choses qui ne correspondaient pas. Bon, mais je ne voulais pas. Je me suis dit, je vis dans un bonheur. Je suis tranquille. Je travaille dur. Je rentre à la maison. Tout est bon. Je n'ai pas envie de soulever des problèmes. Je ne voulais pas. Bon, peut-être que je ne voulais oui. pas trop savoir. Voilà. J'étais bien. Franchement, j'étais bien. J'ai dit, j'ai trouvé mon coin. C'est terminé. Le pire des pires, c'est que dans les emails, un des emails, elle dit à ce monsieur qu'elle a rencontré sur Facebook, j'ai jamais voulu faire des enfants avec ce monsieur. Il m'a eu à l'usure. Je n'en voulais pas. Et il voulait me faire un maximum de gosses pour qu'il me garde à la maison. Voilà. C'est texto, c'est marqué. Et puis, quand je lui ai dit, il y a un problème, elle me dit jamais de la vie, jusqu'au moment où je lui ai amené les emails, j'ai dit, tiens, lis. Et en plus, elle prend sa photo. Elle prend apparemment le portable. Elle s'est photographiée avec un string. Elle lui envoie par email en lui demandant, est-ce que je te plais comme ça? Est-ce que ça te convient? À quelqu'un qu'elle n'a jamais connu. Alors moi, quand je lui ai montré ça,
elle a dit, c'est de la rigolade. Quand je tournais la tête, elle a mis tout dans la cheminée, elle a brûlé. Elle a tout brûlé. Mais donc en fait, elle serait pas vraie. Au départ, elle niait, elle avait pas envie de partir. Ah, pas du tout. Ah, exactement. Oui. C'est maintenant, finalement, qu'est-ce qui fait que maintenant elle veut partir? C'est parce que vous n'avez pas supporté. C'est vous qui finalement lui avez dit, il vaut mieux que ça s'arrête dans ces conditions. C'est un certain temps, il y a à peu près un mois et demi, qu'elle m'a dit, c'est là elle m'a avoué, écoute, on ne peut plus vivre ensemble, oui. Je veux partir. Je veux partir, bon d'accord, tu peux partir, c'est oui. Pas un problème, puisque je ne t'ai jamais aimé, jamais voulu faire du gosse, enfin tout. Elle m'a tout balancé, bon, j'étais par terre, j'ai essayé de lui expliquer, écoute, ça peut arriver, des histoires, on peut s'arranger et tout ça. Bon, rien à faire. C'est qu'à la suite de ça, voilà, du fait qu'on en parle, j'étais obligé, je ne sais pas si je dois vous dire, elle n'est pas française. D'accord ? Oui. Je peux dire de quelle origine elle est ? Oui, oui. Elle est anglaise. Non, j'ai appelé son père. Et j'ai des relations exceptionnelles avec son père. Mais vraiment exceptionnel. C'est vraiment... Ah oui, oui. Ça, c'est depuis le premier jour. C'est vraiment... quelqu'un vous entendez bien, oui, avec votre beau-père. Ah oui, oui. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. Un homme tellement droit, honnête. Il est vraiment... Et puis, quand je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux... Il y a 15-16 ans, tu m'avais appelé et tu m'avais dit, par l'intermédiaire de l'avocat, on a une fille dans une situation, il faut l'aider à la sortir. On m'a dit que tu peux l'aider. Je l'ai fait. Il m'a dit oui. Maintenant, je fais appel à toi. Viens à Paris. Il faut que tu m'aides. Et par la même occasion, tu aides ta fille. Il faut qu'on s'en sorte. Et c'est là où il m'avait dit, écoutez, je suis obligé de dire la vérité maintenant. Donc, il s'avère que j'ai rencontré une femme qui a fait la prison en Angleterre, qui a vécu dans une forêt pendant 8 mois ou 9 mois. Elle s'est sauvée à l'âge de 16 ans. Et elle est partie vivre, je ne sais pas, avec un groupe de gypsies ou des criminels, je ne sais pas. Ce qu'il m'a dit, le père, hein. Ça c'est le père qui me raconte ça. Et puis elle a pris elle a demandé plusieurs crédits qu'on lui accordait qu'elle n'a jamais remboursés. Et à la suite de ça, et bien sûr, pour faire la prison, elle a dû subtiliser, on va dire, l'échiquier à des personnes âgées. Elle a essayé avec ça, on l'a chopé, elle a fait 6 mois de prison. C'est des choses que je ne savais pas. Oui, mais elle avait 16 ans à ce moment-là. Elle avait 16 ans, elle est partie pendant presque une année dans une forêt. Et après, elle est revenue à la maison, peut-être à l'âge de 20 ou 21 ans, où le père... Elle a dit, maintenant, tu travailles. Oui, mais enfin, le père, la solution, c'était de la marier. C'était ça, l'idée? Non, pas la marier. Non, pas la marier, puisqu'elle s'est mariée plus tard. Vous la connaissez seulement depuis 15 ans, vous. Hein, donc, Non, elle n'était jamais mariée. Avec vous? Non, avec moi, on n'est pas mariés. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, de toute façon, de cette dame. Évidemment, vous tombez de haut. Vous tombez de haut parce que, semble-t-il, dans son discours, en tout cas actuellement, elle est en train de remettre en question tout ce qui a fondé votre union, à savoir que vous avez aimé cette femme. Oui, tout à fait. Bon, tout à fait. Alors que elle semble dire que elle a été avec vous, on ne sait pas pour quelle raison d'ailleurs, parce qu'après tout, quand elle vous a rencontré, elle était quand même, je veux dire, elle avait déjà passé la trentaine là. Donc, elle était dans une situation, pourquoi dans ces cas-là, comment elle justifie le fait d'être allée avec vous? En tout cas, pas par amour. Bon, elle dit que c'est pas de l'amour. Bon, peut-être qu'elle vous en veut. Peut-être que c'est la réalité, malheureusement. Et que dans ces cas-là, si tel est le cas, eh bien, au fond, autant le savoir et poursuivre votre chemin plutôt que de rester plus longtemps dans une illusion, puisqu'au fond, vous travaillez beaucoup. Vous dites pour subvenir à votre famille et que c'était aussi une façon peut-être
d'occulter certaines choses, de ne pas voir certaines choses que vous pressentiez au fond de vous. Peut-être qu'en ce moment, elle est un peu dans sa bulle, qu'elle ne va pas très bien, qu'elle est assez angoissée, que Facebook, Internet, tout ça, ça a été une façon de fuir la réalité et de voir si elle pouvait séduire, continuer à plaire, de la même façon que les opérations de chirurgie esthétique, genre un peu le Botox, là, vous dites les injections qu'elle se fait sous la peau et tout pour ne pas vieillir, enfin, effacer un peu les rides et tout ça. Elle a refait ses seins il y a 15 jours. Refaire les seins, semble-t-il, les injections, enfin, on a l'impression qu'il y a derrière tout ça une angoisse. Hein, une peur de vieillir, que donc ça, qu'on pourrait mettre en relation avec peut-être ses recherches sur Internet et derrière au fond un mal-être. Et ce mal-être pourrait au fond lui faire dire aussi, remettre en question complètement et de façon assez violente votre vie jusqu'à présent. Toujours est-il que vous, face à sa demande qui est pour le moment de se séparer, que voulez-vous faire ? Si ce n'est effectivement dire bah oui, on va se séparer. Maintenant, par rapport à votre demande qui est les enfants, eh bien, rien ne vous empêche, avec l'aide d'un avocat, d'en demander la garde, Pierre. Ah, si je pouvais avoir... Vous pouvez demander la garde. Je ne dis pas que moi... Je ne dis pas que vous pouvez l'obtenir. Ça sera le juge aux affaires familiales. Bien sûr. Mais, et après, ça sera à votre avocat de plaider votre cause. Mais vous pouvez demander la garde. Et de toute façon, si vous n'obteniez pas la garde de vos enfants... Ce n'est pas parce que vous seriez séparés de leur mère que vous seriez séparés de vos enfants. Parce que dans tous les cas de figure, vous verriez vos enfants, ça peut être un week-end sur deux, ça peut être évidemment les vacances, la moitié des vacances scolaires. Enfin, vous avez des, il y a des devoirs envers vos enfants, mais vous avez aussi des droits envers vos enfants. Oui, mais je vais vivre seul dans une maison immense, comme un vieux con. Oui, mais alors, je vais dire, Pierre, oui, mais si dans ce qu'elle dit, qu'au fond, qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit, supposons que depuis 15 ans, ça soit un faux-semblant, votre couple. Bah, depuis 15 ans, vous vous crevez à la tâche. Vous fuyez au fond une réalité qui est que vous vivez auprès d'une femme qui n'est pas très bienveillante pour vous. Voilà, exactement. Donc au fond, la solitude, elle était quand même là. Hein, avec une apparence sociale, certes, de vie de couple et de vie de famille, mais au fond... Donc, peut-être qu'il vaut mieux vous retrouver seul un moment avec vos enfants que vous continuerez à voir, évidemment... pas dans un quotidien si vous n'en obtenez pas la garde, mais avec la possibilité aussi qui vous est offerte de pouvoir rencontrer, quand vous irez mieux, quand vous aurez récupéré évidemment de tout ça, une compagne véritablement aimante. Non. On va accueillir Jérémy. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ben, écoutez, je voulais intervenir assez rapidement sur cette histoire parce que bon, ça m'a touché. Donc je voulais apporter mon soutien total à l'auditeur dont je me rappelle plus du prénom. Pierre. À Pierre, voilà. Et je voulais quand même, ça m'a touché parce que j'ai mon meilleur ami qui est en train de traverser une période assez similaire, peut-être pas aussi dramatique entre guillemets, mais bon, en tout cas, ce que je peux constater, c'est que dans ce genre d'épreuve, on manque, comment dire, une absence totale d'objectivité. Et que même si c'est un peu paradoxal de dire ça, je pense qu'il ne faut pas trop attacher d'importance à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent dans ces moments-là. Parce qu'on n'est plus du tout objectif, surtout après 15 ans, donc de 15 ans de tromperie entre guillemets. Et moi, bon, je ne prends pas parti, mais ce qui est évident, c'est qu'il a eu affaire à quelqu'un qui n'était pas dupe, qui savait ce qu'il faisait. Après, attention, je ne condamne pas cette dame, quitte à fâcher Pierre. Je ne la condamne pas, parce que bon, on n'est pas dans le couple. Non. Mais en tout cas, ce qu'il faut, moi, ce que je conseille, je ne vais pas conseiller Pierre, loin de là, mais c'est de, en effet, faire le point, et c'est seulement quand il aura passé la crise, je pense que quand il aura passé cette crise, qu'il pourra prendre de vraies décisions, et qu'il y a quand même deux domaines différents, il y a le sentimental et son ego personnel, qui en prend un sacré coup, toute sa vie qui prend un sens différent, et après, les enfants. Et il vaut mieux des enfants de divorcer bien carré,
que des enfants avec des parents mariés et des parents qui sont à côté de la plaque entre eux. C'est ce que je voulais dire, quoi. Et que c'est loin d'être synonyme de, c'est loin d'être synonyme de malheur et de déchirure. Oui. Et comme vous l'avez dit à juste titre, et je peux vous le dire de par ma profession, il peut très bien avoir la garde des enfants. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est de plus en plus courant que le père ait la garde des enfants. Pourquoi vous dites votre profession, vous travaillez dans le domaine? Oui. Non, pas directement, mais je suis confronté à ce genre de situation. Moi, je suis policier. Vous êtes policier, donc vous êtes amené à voir, souvent pour les problèmes de garde, des familles qui se déchirent, et vous voyez donc des pères qui ont la garde des enfants. Mais bien sûr, proportionnellement, je veux dire, au temps où ça se fait, c'est la même proportion, sauf que ça fait pas longtemps qu'on commence à filer la garde au papa. Mais si on faisait des stats, j'ai horreur de ça, mais maintenant c'est de plus en plus courant. Je veux dire, si le papa a une relation saine avec les enfants, de complicité, et qui en plus peut leur apporter les soucis de la vie matérielle, quoi, c'est souvent le papa qui a la garde. Enfin, souvent, moi, c'est loin d'être inhabituel. Oui, c'est vrai que bon, il y a des pères qui ne la demandent pas. Il faut dire ce qui est. Et après, bon, il faut aussi quand même reconnaître que ça dépend des tribunaux et des magistrats. Et puis de l'âge de l'enfant. Quand les enfants sont petits. Bébé et la toute petite enfance, ça peut parfois être compliqué, hormis si la mère est vraiment très défaillante dans ces cas-là. Mais si la mère n'est pas défaillante, bon. Mais après, vous avez raison de dire, Jérémy, que en tout cas, il faut la demander, il faut pas hésiter. Ah oui, non, mais il faut la demander. Bon, ça, pour moi, pour l'instant, je pense que c'est pas en fait le plus gros souci, parce que même s'il avait pas la garde des enfants, comme vous avez dit, des week-ends alternés, compagnie, ça fait de très très bonnes relations. Moi, je suis un gamin entre guillemets divorcé, et je suis très très proche de mes parents, et ça s'est passé dans des conditions complètement similaires là, pour le coup. Là, c'était mon père qui avait une double vie. Bref, mais en tout cas. En ce qui concerne ses 15 ans, alors c'est vrai qu'il doit tomber de haut, le pauvre Pierre, et encore une fois, je lui apporte mon soutien, mais là, il est plus rationnel. Il n'est plus du tout rationnel, et c'est normal. Oui, mais bien sûr, c'est normal. C'est normal, et c'est vrai que, bon, là, c'est un trop gros coup de massue sur la tête. Bien sûr. Voilà, je voulais dire qu'il faut regarder loin devant, et que quand tout, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, mais que quand tout part en couille dans la vie, la seule évolution possible, c'est des améliorations. Et là, c'est ce qui va lui arriver. Oui, à un moment... Quand tout est par terre, la seule possibilité, c'est que les choses s'améliorent. Et les choses vont s'améliorer. Alors, cette dame, c'est sûr qu'il l'a aimée. Et bon, elle, c'est un peu foutu de lui. En même temps, elle a bien fait les choses. Elle a évité quand même... Là, c'est une souffrance assez brève et rapide. Mais à la rigueur, vaut mieux ça que 15 ans de déchirure. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, pour vos propos. Comme ça, très constructif. Merci. Merci et bonne route, puisque vous êtes sur la route. Merci, au revoir. Bah écoutez Pierre, je crois qu'il faut maintenant réagir, vous retourner être dans le concret, prendre contact avec un avocat, voir quelles sont vos possibilités et vous organiser. Et puis un petit message du subversif qui dit, vous savez, s'en prendre aux coupes officielles, c'est le lot commun quand le conjoint est sous l'empire du démon de midi, et c'est pas à prendre au premier degré. Hein. Elle peut être aussi sous le coup d'une colère, d'une culpabilité, et du coup... tout déglingué de ce que vous avez vécu, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Courage, prenez contact avec un avocat pour pouvoir maintenant vous organiser concrètement. Merci Pierre, en tout cas, de votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21, 34 centimes la minute. Allez, Robert Francis. Voilà, je vais le faire simple ce soir. Junebug. Pas de Robert ce soir. Et je dédie à Philippe, un auditeur qui avait appelé, justement, et Fifi avait essayé de le renseigner. Et Philippe avait dit, oui, j'ai pas bien noté les références. Caroline avait parlé d'un Robert. Et Fifi avait dit, mais je vois très bien de qui il s'agit. Voilà, Robert Francis. Écoutez, moi, je m'étais fiée à Laurent Ruquier, qui avait dit, mais c'est vrai que le Robert et Francis, après, ça ne collait pas ensemble. Mais depuis, j'ai entendu Thierry Lecaux, c'est le grand spécialiste quand même de la musique sur Europe 1. Et il a annoncé en français, donc moi, je m'aligne maintenant. Il faut dire que ça m'arrange, cette version-là. Un mail de Marc
qui réagit à la situation de Pierre et qui lui dit « Allez, courage, je suis passé par là. Il faut analyser et respecter l'autre qui cherche à quitter une situation. Croire que l'autre est le problème est une façon d'occulter ses propres perspectives d'évolution. Je remercie mon ex de m'avoir permis de me regarder dans le miroir. Depuis, je vais bien. Je ne suis presque plus malade, plus de migraines. Je souhaite à Pierre une sortie heureuse et comprendre sans condamner dans l'intérêt de tous. Bon courage à lui. » Et puis, il y a Marinette qui dit « Vous vivez une grande déception. C'est comme si tout ce que vous avez construit depuis 15 ans s'est écroulé sur vous. Cependant, laissez-vous le temps de prendre les bonnes décisions et sachez que c'est quand tout se termine que tout recommence à nouveau. Beaucoup de courage à vous. » Un auditeur ou une auditrice aussi qui dit « Le témoignage de Pierre m'a beaucoup ému. Son amour pour ses enfants est touchant. Bon courage à lui. » Et puis dans un autre registre, il y a Michel qui m'envoie un mail qui dit « Comment ne pas évoquer ce soir ?» L'entrée d'une grande dame à l'Académie française. Nous lui devons toutes beaucoup. Ses engagements ont changé nos vies. Merci, Madame Simone Veil. Et oui, c'est vrai que vraiment un grand coup de chapeau à cette grande dame qui a fait son entrée parmi les immortels. Mathieu voulait aussi saluer, lui rendre hommage dans son entrée à l'Académie française aujourd'hui. Il dit c'est une femme hors du commun qui a vécu la pire des choses. Il dit je suis heureux de la savoir parmi les immortels. On accueille tout de suite Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Excusez-moi Lucie. Non, je vous écoute. Alors déjà je voulais vous remercier, vous êtes un vrai ange gardien pour nous tous, je pense. Voilà. Alors moi je vous appelle parce que j'ai un problème depuis quelques mois et j'arrive pas à en identifier forcément les causes. Donc j'habite maintenant en Haute-Savoie. Il y a eu un premier épisode de neige au mois de décembre et je ne suis pas issue du département. Donc j'ai toujours appréhendé la neige sur la route. Oui. Donc au mois de décembre, je rentrais du travail. Donc il avait neigé toute la journée et donc je me suis pris un gros coup de panique en fait. Oui. Donc j'ai quand même pu rentrer jusqu'à chez moi, mais dans un état laborieux, hein, c'est-à-dire que je pleurais, je tremblais, et la route a été très pénible dans un sens où c'est une route de montagne, donc avec des virages, notamment une grande descente avant d'arriver. Et ce jour-là, j'ai effectivement, comme on dit, perdu des pédales, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je gérais très mal les pédales de la voiture, j'avais des mauvais réflexes. Je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas glissé, il n'y a pas eu ce heurte-là, si vous voulez, mais j'ai très très mal vécu. Bref. Donc, suite à cet épisode neigeux, il a fallu quand même retourner travailler. Donc, les jours où il y a eu encore de la neige, j'ai fait du covoiturage pour me rassurer dans un premier temps. Oui. Et ensuite, j'étais en fin de contrat fin décembre. Donc, je me suis retrouvée sur les autres mois d'hiver à la maison. Donc, effectivement, avec une tendance un petit peu à l'hibernation, à ne pas trop prendre la voiture puisque j'en avais moins besoin et à me laisser conduire la plupart du temps, par exemple, le week-end. Et là, récemment, il a fallu que je refasse un plus long trajet, un trajet de 2 heures pour rentrer là où j'habitais avant. Et je me suis rendu compte que ce problème était loin d'être résolu puisque là, de nouveau, me sentir très très mal en voiture. Donc avec vraiment de la panique, hein, c'est-à-dire avoir l'impression d'être deux au volant, des étourdissements, peur essentiellement dans tout ce qui est descente, c'est-à-dire dès que je prends de la vitesse, là aussi je freine je freine beaucoup trop vite, etc. Enfin, oui. Je n'arrive pas à me contrôler et à me dire il n'y a pas de danger, etc. Donc j'ai vécu. Oui, même s'il n'y a plus de neige, c'est-à-dire vous voulez dire voilà, même aujourd'hui neige, qu'il n'y a plus de neige, mais oui, ça vous rappelle cet épisode-là, enfin il y a. C'est-à-dire que pour l'instant c'est le seul lien que j'arrive à faire, parce que c'est vraiment le c'est le depuis, traumatisme. C'est depuis voilà, en c'est tout depuis, cas. Depuis, bon même si avant j'ai jamais été une grande conductrice dans le sens où voilà il y a certaines personnes qui peuvent faire beaucoup de kilomètres de façon très sereine, etc. Bon moi c'était pas forcément ce que je préférais, mais je le faisais. C'est vrai que depuis qu'il y a eu cet épisode au mois de décembre, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu cassé et
à un moment donné presque l'impression de ne plus savoir conduire, quoi. Oui. Et c'est vrai que du coup, je me suis fait un peu peur, notamment là quand je suis revenue là, le week-end dernier, parce que j'étais à 90 sur l'autoroute, à être très très mal, avoir la jambe qui tremble, et à me dire, bon, il faut que j'arrive jusqu'au bout du truc, est-ce que je vais y arriver, etc. quoi. Et voilà, aujourd'hui, j'ai bien évidemment besoin de régler le problème pour plein de raisons, hein, des raisons pratiques, des raisons professionnelles, enfin des raisons évidentes de pouvoir conduire. Donc j'en ai parlé notamment à mon ami. Donc nous sommes allés là récemment juste faire un petit trajet, mais qui est un trajet qui est vraiment proche de chez moi, où il y a toute une descente qui se fait pendant un quart d'heure. Et là, ça a été de nouveau très difficile. Donc même si lui était à côté de moi, il a essayé de me sécuriser. Et la réaction, enfin, ce qu'il lui m'a dit, c'est on a l'impression que tu viens d'avoir ton permis de conduire, tellement j'étais dans un état de pas bien, quoi. Donc j'ai fait la route, je suis revenue, mais avec j'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de step. Quand je reviens, je perds. Mais oui, là, oui. J'ai plus rien, je suis épuisée émotionnellement, c'est la catastrophe. Et demain j'ai un rendez-vous, donc je dois reprendre la voiture, donc là je serai toute seule. Et c'est vrai que forcément je l'appréhende, même si je sais que je vais la faire la route. J'essaie de trouver. Est-ce que ça peut résonner sur quelque chose de plus ancien? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, alors que les conditions sont bonnes, il fait jour, il fait beau, etc., ce qui peut faire que je suis toujours dans cette panique et essentiellement dans les descentes. Voilà. Donc je ne sais pas si éventuellement me clairer là-dessus. Ça paraît peut-être anodin comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Non, pas du tout. Et j'essaie de comprendre, en sachant que voilà, bon, moi je fais un travail sur moi depuis quelques années. Ah oui, c'est ça, parce que je reçois un petit message du subversif qui s'amuse apparemment, mais qui s'amuse pas de vous, hein, qui fait oui, du mot, qui dit Vancouver, c'est à Vancouver, ma chère, et votre smart n'est pas une luge olympique, elle est donc confiée ses lubies sportives, c'est un symptôme que cela. Donc vous dites, donc voyez, il dit c'est, ça mérite justement d'en parler, donc il s'en amuse, mais en disant que c'est pas anodin, parce que comme vous dites, votre voiture, vous en avez besoin pour aller travailler, et on voit à quel point ça déclenche un stress chez vous. Vous rentrez de là complètement épuisé, et donc il y a quelque chose, oui, c'est un peu proche, pas vraiment de l'attaque de panique. Il y a eu un moment un peu, mais vous avez quand même gardé le contrôle, et là ça tourne un peu en phobie. Enfin, il y a quelque chose maintenant, hein, de cet ordre-là. Donc c'est important que vous puissiez en parler, même si sur le départ au départ, conduire sur la neige, c'est personne n'aime ça. Voilà, mais moi, ça a toujours été ma grande trouille. Bon, bien évidemment, je suis venue m'installer en Haute-Savoie, bon, pour des raisons personnelles que je ne regrette pas, mais... Oui, j'allais dire, hormis ceux qui ont l'habitude et qui... Voilà, c'est vrai que c'était mon premier hiver ici, aussi. Enfin, c'était mon premier hiver, donc... Je pense que c'est déjà quelque chose que j'appréhendais énormément, et qui, pas de bol... Et voilà. Vous êtes en psychothérapie, avant oui, cela, c'est ça. Déjà quelques années. Le fait est, c'est que maintenant, ma psychothérapeute est dans l'ancien département où j'habitais. Donc, quand je retourne, on va dire, chez moi, entre guillemets, là où j'habitais avant, j'essaie de la voir. Donc là, je l'ai vue le week-end dernier seulement. Ça faisait 4 ou 5 mois que je ne l'avais pas vue. Il y avait énormément de choses à se dire. Notamment, là, je travaillais jusqu'à fin décembre, mais aujourd'hui, je ne travaille plus. Et justement, je suis en pleine démarche de enfin faire un travail qui pourrait me plaire, éventuellement me mettre en auto-entrepreneur. Donc c'est quelque chose qui, malgré tout, fait très peur. Donc je suis dans un grand, grand tournant professionnel, là aussi. Donc il y avait aussi beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Et je lui ai dit que j'avais aussi mal vécu l'aller en voiture. Mais le fait est que, voilà, une heure passe très vite. On a déjà discuté, je pense, au moins 40-45 minutes. Ensuite, c'est une kinésiologue. Donc on a fait la séance de kinésio, mais qui a été de 15 minutes à peu près, où là on a géré beaucoup d'émotionnel, où elle m'a dit que là pour l'instant tout était dans l'émotionnel, et que c'était beaucoup plus axé finalement sur mon projet professionnel
que sur cette panique que j'avais en voiture, quoi. On n'a pas pu tout gérer là. Mais alors, attendez, parce que elle est psychothérapeute et elle fait de la kinésiologie aussi. C'est quoi déjà la kinésiologie ? Alors ça, par contre, je ne sais pas comment j'arrive à vous l'expliquer, mais elle travaille notamment, elle prend votre poignet et c'est oh là là, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer ça. Ça travaille surtout sur l'émotionnel, sur le musculaire, sur les chakras, c'est-à-dire qu'en fait, on met en place un objectif de travail. Ensuite, elle le teste, savoir si c'est le bon objectif. Et à partir de là, on va le travailler. Donc, il peut y avoir bien évidemment de l'émotionnel qui va remonter. Il peut y avoir des récessions d'âge ou pas. Elle va énormément interroger jusqu'à ce qu'on arrive à remettre des mots. Des récessions d'âge. C'est quoi ça? C'est-à-dire que, notamment sur un événement ou sur un objectif précis, oui, on va pouvoir faire une récession d'âge, c'est-à-dire retourner en arrière entre tel âge et tel âge pour essayer de savoir si effectivement ce n'était pas l'enfant à ce moment-là qui a vécu quelque chose et aujourd'hui l'adulte qui se reprend ça. Juste à partir de votre pouls? Bah, c'est-à-dire que là, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment mal expliqué. Mais, j'écoute. C'est-à-dire que non, mais je. Mais et vous lui parlez avant? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en général, les séances, c'est au moins moitié-moitié. Hein, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui est très professionnel, que je vois maintenant depuis 3 ans, qui m'a fait progresser à plein de niveaux. Donc par rapport à ça, il y a. Mais voilà, on n'a pas pu tout gérer en une heure. En plus, et qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la voiture, là, cette phobie? Alors du coup, le fait est que, vu que le retour a été d'autant plus problématique pour moi, je lui ai ensuite envoyé un mail. Mm. Et c'est vrai qu'à distance, comme ça, elle sait pas. Elle me dit, effectivement, ça ressemble à de la panique, à une peur. Aujourd'hui, je ne contrôle pas, une espèce de peur vertigineuse. Mais elle m'a conseillé des sorts de bac. Mais voilà, de loin, comme ça, elle... Le travail ne peut pas non plus se faire comme il se ferait en séance, quoi. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas que je ne veux pas retourner la voir, mais il faut reprendre la voiture. Donc, comprenez que... Mais il faudrait que vous voyiez quelqu'un plus près, non? Alors voilà, effectivement, là, j'ai essayé de là où j'habite, de voir la psychologue d'ici, qui n'est absolument... Vous pouvez continuer la voir, elle, mais peut-être voir quelqu'un plus près pour ce problème-là. Oui, oui, non, mais tout à fait. De toute façon, si ça persiste, ce que je ne souhaite pas, il faut qu'effectivement... Mais moi, je pense, je vous encourage quand même à aller parler de ça, parce que ça a réveillé quelque chose d'une peur plus profonde. Vous dites... Ah oui, merci Anita qui dit « La kinésiologie, c'est le traitement de la mémoire cellulaire. » Alors avec ça, bon... Ouais, enfin moi, la mémoire cellulaire, bon... Ouais, je suis sceptique, mais bon. Ça t'arrête pas. Alors donc, mais bon, l'important c'est que vous ayez un bon contact avec elle. Hein, mais la mémoire cellulaire, ouais, moi ça me laisse plus que perplexe. Mais sinon, par rapport à ça, non, c'est vraiment important que vous en parliez parce que ça risque de s'accentuer et de revenir ça peut, oui. Mm-hmm. Parce que c'est intéressant quand vous avez dit à un moment j'ai perdu les pédales. Dans les faits. Vous n'avez on l'entend, vous l'avez dit vous-même, vous en avez souri. C'est à double sens, hein. Bien sûr. Quand on perd les pédales, qu'est-ce que ça vous évoque, perdre les pédales? C'est perdre le contrôle. Et puis quand vous êtes au volant sur une route, vous n'avez qu'une seule trouille, c'est qu'il vous arrive quelque chose, hein. Donc moi, perdre les pédales, c'est que non seulement je ne maîtrisais pas, c'est-à-dire que je faisais un peu n'importe quoi avec mes pédales, et de là aussi, perdre les pédales, ça veut dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne contrôle plus, là. Mais forcément, ça fait très peur. Donc, dans les faits, vous avez parfaitement contrôlé, hein, Nathalie? Oui, c'est un problème dans la douleur, je peux vous l'assurer. Dans la douleur, mais vous avez parfaitement contrôlé. Donc, bon, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez, vous êtes dans un projet d'auto-entrepreneuriat. Donc là, vous vous lancez, hein? Oui. D'accord. Là, c'est l'aventure, c'est... Vous êtes aux commandes, hein? Oui. Comme au volant de la voiture, on est aux commandes là, vous décidez. Donc on est vraiment. Et comme dit le subversif, et je vais vous laisser sur ces mots-là, qui dit la psyché, le psyché, ça parle en symbole.
l'entrepreneuriat, on est lancé sur une voie fort pentue, où les freins sont problématiques. C'est vrai qu'il faut pas trop freiner, c'est-à-dire qu'il faut savoir avoir de l'audace, se lancer, y aller. Donc il dit au boulot. Et oui, il y a des choses là. C'est-à-dire que à la fois, vous êtes dans un projet où vous avez très envie de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire il faut y aller, il faut en même temps pas se lancer comme ça dans le vide. Mais ce qui n'est pas votre cas, j'imagine, Nathalie. On vous sent, vous êtes parfaitement posée, structurée, sensée, réfléchie. Et puis en même temps, ben, vous avez les deux pieds sur les freins. Il y a beaucoup de peur derrière. Alors c'est sur ces peurs qu'il faut travailler. Pour vous en libérer, vraiment. Voilà. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'avancer, parce qu'il y a quelque chose qui bloque là. Mais effectivement, peut-être pas en prenant la voiture, trouver quelqu'un d'un petit peu plus près. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez avec cette psy qui vous fait du bien, mais travailler ponctuellement un petit peu plus près, dans l'urgence. Je pense. Voilà. Et il y a quelqu'un qui dit vous êtes un tournant de votre vie. Et les tournants, ça fait peur. Vous l'avez employé le mot tournant d'ailleurs. C'est vrai que l'inconscient, c'est vraiment des symboles. Donc, vous êtes là-dedans. Bon courage, Nathalie. Mais vous allez y arriver, Au revoir. Et pour demain, alors, je fais comment, alors? Comment? Et pour demain que je prends la route. Vous allez y arriver? Oui, je vais y arriver. Oui, vous allez y arriver sans. Vous allez y arriver. Bon. Mais entre-temps, allez en parler. Au revoir, merci. Nathalie. Merci, au revoir. C'est la deuxième heure de la Libre Antenne, toujours en direct sur Europe 1. Vos témoignages au 39-21. Toutes vos réactions par SMS au 7-21-21 code nuit. Et par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Alors des réactions pour Nathalie qui depuis une conduite sur neige un peu difficile en Haute-Savoie s'est mise à avoir un peu des attaques de panique sur la route à chaque fois qu'elle est en voiture et notamment dans les descentes où dès qu'elle prend un peu de la vitesse où elle se met à freiner assez brusquement. Alors c'est vrai que j'avais pensé au début parce que au-delà du fait d'aller en parler. Il y a Vincent qui envoie un petit SMS pour dire déjà peut-être reprendre quelques heures de conduite d'auto-école pour la rassurer pourrait lui faire du bien. Ça ne pourrait pas lui faire de mal en tout cas puisqu'elle se sent de nouveau comme une débutante. Il y a Camille aussi qui dit il existe des stages pour apprendre à conduire sur la neige. Donc Nathalie disait qu'elle habitait qu'elle était venue vivre en Haute-Savoie mais qu'elle n'était pas originaire de cette région. Donc ça lui sera avec l'hiver qu'il y a eu, mais de toute façon en Haute-Savoie elle va être confrontée à la neige. Donc je pense qu'effectivement Camille a tout à fait raison. Faire des stages et quand il y aura de nouveau de la neige même s'inscrire dans une auto-école et conduire sur neige, ça lui serait précieux. Camille dit je suis beaucoup plus terre à terre que vous Caroline, mais non, c'est bien d'être pragmatique et ça peut être important. Et d'ailleurs, Ambre, à ce sujet, dit contre les attaques de panique, la thérapie comportementale et cognitive peut être efficace. Je pense que dans une thérapie comportementale et cognitive, on peut tout à fait avoir ce genre de pratique qui peut être mis en place. C'est-à-dire, très concrètement, justement, des stages de conduite, en l'occurrence, là, sur neige, quand il y a des phobies comme ça qui se développent. Des réactions aussi. Valérie, elle est revenue sur le témoignage de Pierre qui était évidemment très désemparé parce qu'après 15 ans de vie commune et deux enfants, il avait découvert que sa femme avait une liaison avec un homme sur Internet. Valérie dit « Accrochez-vous à vos enfants, eux continuent à vous aimer. La séparation sera peut-être difficile, mais on ne peut pas construire une relation durable sans amour réciproque. Bon courage à vous. » Caroline Dublanche sur Europe 1. Ah, c'est du hip-hop, ça? Ouais, un petit peu. De la chanson française? Du raga? Ouais, en fait, c'est un peu tout ça. Carimouche, premier album, emballage d'origine. Le 24 mars. À la boule noire et en tournée partout en France.
Et puis on a parlé de kinésiologie aussi avec Nathalie et Alex me dit je ne parviens pas à vous envoyer de mail. La kinésiologie est une science complexe. Elle m'a aidé à avancer. Et il dit pas qu'avec la mémoire cellulaire. Oui, moi je réagissais à un SMS où on disait la kinésiologie c'est la mémoire cellulaire. Et c'est vrai que bon, je parlais de ma perplexité par rapport à cette fameuse mémoire cellulaire et qu'on mettait en pratique dans une thérapie. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. On accueille maintenant Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile Laurence? Oui. Ah non, ça, c'est vrai. Donc merci d'appeler. Oui. Eh bien voilà, j'ai un problème depuis 10 ans. C'est-à-dire que je suis au départ avec quelqu'un depuis plus de 20 ans, avec qui j'ai eu 2 enfants. Oui. Et depuis donc 10 ans, ça va faire 10 ans, j'ai connu quelqu'un d'autre en parallèle. Oui. Et au début, bon, j'ai pris ça légèrement. Et puis, bon, les sentiments sont venus se graver sur l'histoire. Et puis, au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est très difficile de vivre ces deux amours, quoi, en fait, puisque j'ai des sentiments pour les deux. Et je n'arrive pas à décrocher. Ça veut dire que vous avez essayé? Oui, j'ai essayé, oui. J'ai essayé, ça dure au meilleur des cas ou au pire des cas, comme on peut dire, 3 jours. Ah oui. Je n'arrive pas à tenir plus longtemps. C'est-à-dire à tenir, j'ai un téléphone exprès pour cette liaison. Hein. Oui. Et donc, pour essayer d'arriver à arrêter, avoir une conversation ou une relation... verbal, j'éteins ce téléphone. Mais je garde toujours ce téléphone sur moi. Et je l'éteins, je résiste une journée, 2 journées, 3 journées, et puis je rouvre le téléphone pour avoir des nouvelles. Il est libre, cet homme, ou il est en couple? Et non, non, non. Et non. Il est en couple? Oui, il est en couple. Il est en couple et le problème, c'est que bon, on se voyait il y a 1 an et demi, jusqu'à 1 an et demi, pratiquement 2 voire 3 fois par jour, par semaine, pardon. Lapsus. Oui. Et puis là, depuis 1 an et demi, il est en retraite. Oui. Il habite à 30 kilomètres, donc il ne peut me voir que, on ne peut se voir qu'une fois tous les 15 jours quand tout va bien. C'est plutôt même une fois par mois maintenant. Oui. Voilà, parce qu'il faut des excuses pour venir là où j'habite, voilà. C'est très, très compliqué, ça me bouffe, si je peux dire vulgairement. Ça me ronge et je ne vis que pour ça, que pour lui, pour cette relation. Sans pour autant délaisser mon mari. Mmh. J'ai besoin des deux, en fait. Mmh. Voilà. Oui. Oui, vous savez de toute façon qu'il n'y a rien de possible avec cet homme, puisque... Non, mais de toute façon, à vrai dire, je n'y tiens pas plus que ça. C'est un peu comme l'histoire de Julie et Jim. Oui. J'ai besoin des deux. Et votre mari n'est pas au courant de cette liaison? Vous faites en sorte qu'il... C'est un homme très pris. Oui. Hein, donc c'est peut-être pour ça que j'ai... Bon, je ne me cherche pas d'excuses non plus. Oui. Mais j'ai cherché pour combler un manque. Vous avez cherché, véritablement? Oui, je pense. Oui, oui, c'est pas arrivé comme ça, par hasard. Hein. Je pense que j'ai cherché. Vous vous sentiez un peu seule? Oui, tout à fait, oui. Très pris par son travail, votre mari? Oui, très pris, oui, très pris. Oui. Oui. Donc, un manque peut-être d'amour aussi, peut-être que j'en voulais plus. Et, oui. Voilà, quoi. Puis... Et oui, alors donc là, il y a aussi un manque, puisque finalement, entre vous voyez 2 ou 3 fois par semaine, et actuellement, depuis qu'il est à la retraite, c'est seulement 1 fois par mois. Donc... Oui, oui. Et là, c'est très... Donc, c'est, de nouveau, il y a un manque dans votre vie. Tout à fait. Et je ne vis que pour avoir un message de temps en temps. C'est terrible. Mais vous n'êtes pas très bien, finalement, en ce moment. Pas du tout, non, pas du tout. Mais ça va de mal en pis. J'ai perdu 10 kilos. Depuis qu'il est en retraite. Hein, depuis ces 10 ans, j'ai perdu 10 kilos, oui. Et bon, le problème, c'est que je ne peux en parler à personne.
hein, ni des amis, puisque j'habite une petite ville en plus, et on me demanderait en plus pourquoi as-tu cherché ailleurs, puisque c'est vrai, je ne manque de rien, matériellement. Oui, matériellement, vous ajoutez. Voilà, je ne manque de rien. Mais j'avais un manque de, peut-être de tendresse, de présence, surtout de présence. Et de tendresse. Oui, de tendresse. Mais je voudrais ajouter que cette autre personne ne porte pas l'amour non plus que je désire. C'est-à-dire, en ce moment ou... Ça a toujours été... Pardon. Ça a toujours été, c'est pas encore l'homme qui m'apporte. Enfin, il se complète, quoi, en fait. Les deux se complètent. En quoi se complètent-ils, alors ? Que vous apporte-t-il l'un et l'autre ? Disons que ma liaison m'apportait quelqu'un qui, quand un n'était pas là, je recherchais des sentiments de l'autre. Hein. Ou une parole, ou un geste, ou quelque chose. C'était l'un ou l'autre. C'est... Comme s'ils étaient interchangeables ? Oui. Ils ont des personnalités différentes ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Pourtant, dans ce que vous exprimez, c'est comme si l'un n'était pas là, l'autre vous apportait ce qui ça donne un peu... C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'ils peuvent être interchangeables ? Vous me dites oui, et en même temps, vous me dites oui, ils sont différents l'un de l'autre. Oui, donc vous me dites une chose et son contraire. Oui, c'est difficile à analyser. Mais d'un autre côté, il me manque un peu de sentiment de la part de cette liaison. À jamais il ne me dit je t'aime ou bon, il est jamais. très introverti. Ses sentiments, il ne les montre jamais. Il ne les dit jamais. Un je t'aime tous les 6 mois. Alors qu'est-ce qu'il vous apporte ? Peut-être de l'intérêt qu'il m'apporte, parce que je vois aussi que lorsque je ne lui mets pas de message pendant 3 jours, bon, c'est lui qui va revenir. Parce que vous ne le prévenez pas avant de faire une coupure ? Non. Non. Pour voir justement si je lui manque, je le teste un petit peu. Vous avez manqué, vous, d'intérêt, de tendresse, comme ça, d'attention dans votre vie, dans votre histoire, dans votre enfance ? Oui, certainement, oui. De la tendresse, oui. Oui. Oui, j'ai besoin de tendresse. Oui, mais ça s'entend. Hein. Je suis à la recherche de tendresse et d'affection, de qu'on s'intéresse à moi, voilà, oui. Qu'on vous rassure, qu'on vous console. Oui, voilà, oui. J'ai besoin de cette personne et puis en même temps, j'aimerais bien me décrocher de cette histoire parce que bon, je sais que ça me mine. Et puis qu'est-ce qui vous mine ? De ne pas le voir plus souvent. Parce qu'à chaque fois qu'il vient me voir, qu'il se trouve une excuse. Et quand il n'a pas cette excuse ou cet alibi, parce qu'il faut un alibi, une personne qui soit un copain qui soit de mèche. Et quand il n'a pas cet alibi, bon, bah, il préfère ne pas me voir et remettre au mois suivant. Alors là, j'ai fait la tête, je ferme mon téléphone, je ne lui donne plus de nouvelles. Oui, vous ne la vivez pas sereinement, cette autre relation. Non, du tout. Non. Parce que, au fond, vous pourriez. Parce que vous avez votre mari qui est là. Enfin, qui est là, peut-être pas comme vous voudriez qu'il soit là. Hein, j'entends bien. Mais il est là quand même depuis 20 ans. Il est à vos côtés, très pris, très peu disponible. Mais en même temps, il reste là. Oui. Bon. C'est une valeur sûre, j'ai envie de dire. Oui. Et puis, il y a cet autre homme qui, bon, de fait, a une vie. Donc, lui aussi n'est pas très disponible, et de moins en moins depuis qu'il est à la retraite. Oui. Mais, dès que vous mettez un peu de distance, si vous restez 3 jours sans l'appeler, vous avez un message. Donc, il ne veut pas prendre de la distance avec vous. Non, mais il ne veut pas non plus que... il ne veut pas plus. Et quand je n'ai pas... Quand je n'ai mais pas... vous ne voudriez pas forcément plus avec lui ? Non, pas plus. Mais bon, plus, disons, au moins un message, voire deux par jour. Des fois, je n'ai rien.
Et je me fais beaucoup de soucis, ce qui m'amène des fois à appeler chez lui pour savoir s'il est encore vivant ou s'il est chez lui ou si tout va bien. Oui, mais là, il y a une angoisse qui est finalement un peu disproportionnée, un peu irrationnelle. Parce que, au fond, c'est une voix sur un répondeur, sur votre répondeur, ça vous rassure. Voilà. Vous pouvez passer votre journée tranquillement, voilà, vous êtes apaisé, sécurisé. Oui. Alors que si vous n'avez pas un message, cette voix sur votre répondeur, ben vous pouvez être plongé dans l'angoisse. L'angoisse complètement, oui, qui vous dit téléphoner chez lui, puis entendre oui. Allô, et ça y est, je suis contente, même si je sais qu'il est en colère, parce qu'il déteste ça, bien évidemment. Même s'il est en colère. Oui, oui, même s'il ne vous en dit pas plus, mais vous savez qu'il est là voilà. Vivant. Enfin, comme il y a quelque chose de très. Vous voyez, d'une grande insécurité chez vous. Hein. Oui, c'est-à-dire oui. Comme si simplement savoir que, bon, il est là, même s'il est loin de vous, pas présent physiquement, il est toujours là. Voilà, c'est ça. Hein, ça fait penser un peu à. Encore au petit enfant qui, quand on est tout petit, le petit enfant, sa maman quitte la pièce, bah, il se met à pleurer parce que si sa maman quitte la pièce, elle disparaît pour lui. Ouais. Elle n'existe plus, elle n'est plus là. Mm. Donc il est plongé dans le désarroi, dans la souffrance. Ouais. En grandissant, on intériorise normalement la présence. Mm. On sait que... Ben, maman peut quitter la pièce, mais on la garde en soi. Mm-hmm. Ou on peut aller à l'école et il y a une séparation, mais maman la garde en soi. C'est comme s'il y avait quelque chose chez vous où vous avez du mal à intérioriser la présence affective. Ouais. Il y a quelque chose qui fait défaut. Oui, peut-être, oui. Alors, il faut vous la rappeler par même une voix. Vous voyez, même un halo au bout du fil. Même un halo, si je sais qu'il est en colère, ça fait rien. Oui, voilà, même en colère. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez cet homme, ça va au-delà de... C'est pour ça, j'ai l'impression que vous cherchez avant tout de la tendresse, comme une présence un peu maternelle, paternelle, enfin, quelque chose qui a fait défaut. Bon, c'est vrai que petite, j'étais assez couvée par la présence de maman... Mais à côté de ça, bon, je me souviens pas qu'elle m'ait prise sur ses genoux, qu'elle m'embrassait. On est assez. Pour nous, c'est un peu tabou. C'était tabou. Oui, il manque du corps à corps. Voilà, quoi. C'est ça, oui. Ouais. Mm. Et j'ai beaucoup à donner de ce côté-là. Et... Mm. Alors, dans les premières années de vie, c'est ce qui rassure, hein. Mm. Plus que les mots. Et oui, quand on est petit, il y a quand on même ce besoin de toucher. Toucher, oui. Oui, c'est oui. Ça. Mm. Ce qui ne veut pas dire que vous vous sentez aimé, vous vous êtes senti aimé, mais il manque quelque chose de... Une présence, voilà, c'est ça. Et oui, voilà, il vous faut... C'est ce que vous disiez d'ailleurs, hein, quand... dites jeune Vic pour avoir un message, et puis quand, je comprends mieux maintenant quand vous dites quand quand il y en a un qui n'est pas là, j'ai l'autre qui est là. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un auprès de vous. Oui. Vous avez du mal à être seule. C'est ça, tout à fait. Parce que je me dis, en fait, je me demande s'il vaut vraiment la peine que je m'accroche à lui. Quand je vois que, ben, des fois, il n'ouvre même pas son téléphone pour savoir si je suis encore en vie ou si je vais bien ou non. Ben, je me dis, je l'aime trop par rapport à ce qu'il... Il est pas... Je crois que ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est qu'il est, moins... Il n'a pas la même histoire que vous. Il est moins angoissé que vous. C'est pas... Derrière votre amour, il y a aussi beaucoup d'angoisse. Je ne sais pas. Mais j'ai du mal à... Je voudrais décrocher. Et c'est pour ça que vous avez du mal à décrocher. D'ailleurs, décrocher, c'est souvent les toxicomanes qui disent. Hein, je voudrais décrocher. Ah oui, mais bon, je le dis. Oui. Je suis accro, quoi, donc oui. Je voudrais décrocher. Mmh. Je suis accro à lui. Mmh. Bah, peut-être qu'il faudrait déjà, ça serait bon pour vous de vous apaiser et de trouver un peu une certaine tranquillité intérieure, d'être un peu moins angoissé. Je cherche, mais par tous les moyens. Mais... C'est-à-dire quel moyen avez-vous? De trouver une activité, parce que là, je travaille à temps partiel. Mes enfants sont partis, donc je suis toute seule à la maison. Mon mari rentre à 20h30. Et j'essaie de trouver une occupation autre qui me prenne du temps, quoi, que je n'ai plus à penser 24 heures sur 24 à cet homme. Et, bah, j'ai du mal. Donc vous travaillez à temps partiel, hein? Oui. Donc vous avez l'autre moitié de la journée où vous pensez à lui. Voilà, oui.
Et quoi que je fasse, même dans mon travail, je veux dire... Vous pensez à lui ? Je pense à lui. Je me réveille, je pense à lui. Ça prend la tête, mais je pense à lui tout le temps, tout le temps. Oui, il faudrait quand même essayer de comprendre ce que représente cet homme, pour vous, ce qu'il symbolise. Parce que vous dites que vous étiez très proche, enfin, il y avait... vous avez été très protégée, très... je ne sais pas le mot que vous avez utilisé avec votre mère, qui en même temps était... Couvée, voilà. Ouais, merci, ouais. Couvée. Et avec votre père ? Oh, mon père n'était pas souvent à la maison, il travaillait à la SNCF, donc il partait bien souvent. Oui. Voilà quoi, je n'ai pas... Il n'y a pas eu de rapport non plus de physique avec lui. De toute façon, on n'osait pas se jeter au bras de nos parents. On n'osait pas. Eux-mêmes ne le faisaient pas. Ils n'étaient pas très tendres, pas démonstratifs entre eux. Démonstratifs, voilà. Ça. Il était souvent absent, votre père ? Oui, il était... Il était conducteur de train ? Conducteur de train, oui. Ah oui, donc oui, effectivement, il n'était pas souvent... Et puis quand il rentrait, il dormait. Il dormait, voilà. Oui. Il ne fallait pas faire de bruit. Donc, pas très disponible pour vous, hein ? Voilà. Un peu comme cet homme. C'est vrai. Qui reste assez absent, hein ? Oui. Vous êtes toujours à attendre. Voilà, toujours à attendre, oui. Mais c'est devenu maladif parce que ce téléphone que j'ai rien que pour cet homme, oui. Je l'ai tout le temps avec moi. Mais toujours au lien, oui. Voilà, ça vous rassure, c'est comme un doudou. C'est un lien, c'est mon lien avec lui, voilà. Même si je sais qu'il ne faut pas que je le mette en route, enfin en marche, je l'ai avec moi et j'essaie de tenir bon une journée, deux journées, pour lui montrer, pour essayer aussi de... Oui, mais on voit bien, vous ne pouvez pas aller au-delà de trois jours. Non, non. Hein ? Non. Oui, il y a vraiment une dépendance. Oui. Alors, il y a Poupie qui dit, mais alors justement, que ferez-vous lorsque votre mari sera à la retraite ? Non, il sera... Est-ce que finalement vous pensez être davantage comblé par lui parce qu'il aura plus de temps pour vous, demande Poupig. Je me demande si un jour il aura le temps parce que c'est un homme très, très dynamique. Il aura besoin toujours de travailler, de donner de sa personne. C'est pas quelqu'un qui va s'asseoir, prendre le journal, un magazine ou un livre. Non, il faut toujours qu'il soit en activité. Toujours en activité, toujours. À l'extérieur de la maison. Aussi, oui, quand les dimanches, par exemple, il n'y a que les dimanches qu'il ne travaille pas, il travaille à l'extérieur. Il est très rare il faut que je le force pour aller quelque part, tous les deux ou avec les enfants. C'est quelqu'un d'actif et qui le restera, à mon avis, toute sa vie. Et est-ce qu'il est tendre avec vous ? Est-ce que lui est plus démonstratif, votre mari ? Un petit peu, mais pas encore, pas vraiment comme un mari avec sa femme, quoi. Non, c'est pas vraiment, non. Ouais. Non, pas démonstratif non plus. Mais vous avez un peu reproduit le couple de vos parents, finalement ? Oui. Moi, je ne suis pas démonstrative. Je n'arrive pas à... Si. Vous non plus, vous je n'arrivez pas. Je suis avec l'homme que je connais depuis 10 ans. Je le suis, là. Je donne tout pour lui, là. Là, ce que je n'ai pas donné à mon mari, je lui donne à lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous donne, lui ? Rien. Voilà, c'est simple, c'est rien. Une heure et demie tous les 15 jours. Il est très égoïste. Alors pourquoi donner tout à quelqu'un qui donne si peu ? Parce que j'ai besoin de donner et je ne sais pas. Pourquoi lui ? Mais pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Oui, je sais. Peut-être parce que maintenant c'est un peu tard, du jour au lendemain, au bout de 20 ans, de changer de comportement. 20 ans ou 10 ans ? 20 ans, c'est votre mari ? 20 ans, c'est mon mari. Voilà, justement, je ne suis pas. J'ai dit que je ne suis pas démonstrative. Je ne peux pas l'être maintenant, au bout de 20 ans. Alors là, vous me parlez de votre mari, vous ne parlez pas de votre amant. Oui, il y a un peu de confusion entre les deux. Alors, je reçois un message qui dit « Comme je vous comprends, je vis exactement la même situation. Oui. » Notre message qui dit du subversif, qui dit « L'abandon ne se comble pas par la présence trop temporaire en soi, il se travaille ailleurs. »
Ouais, il y aurait des choses à travailler, hein, vraiment. Oh là là, oui. Ouais. Pourquoi ne le faites-vous pas? Il faudrait de l'aide. Je pense que... Ben oui. Pourquoi ne vous accordez-vous pas cette aide? Mais à qui? Ben justement, vous dites que vous ne pouvez en parler à personne, et je comprends, c'est difficile parce qu'on n'est jamais sûr de la personne digne de confiance et qui ne va pas aller répéter dans une petite ville. Mais pourquoi pas aller en parler en thérapie, où là, il y a un secret. Ben oui, mais pour justement essayer de vous apaiser, pour ne pas vivre étreinte par l'angoisse comme vous l'êtes là. Pour essayer déjà d'apprendre à être un peu plus, être un peu mieux avec vous-même, déjà avec vous-même. Oui. De pas essayer, vous voyez, quand vous me répondez, vous me dites, oui, cette moitié de journée qui me reste, comment faire? Faudrait que je trouve une activité. Ça marchera pas si c'est comme ça. Si c'est trouver une activité pour essayer de combler du vide. Oui. Parce que vous êtes au travail, vous pensez à cet homme. Vous allez faire cette activité, vous allez penser à cet homme. Il faudrait déjà que ce vide, que vous, ce trou que vous avez en vous-même, vous le combliez. Il y a une insécurité en vous. Oui, c'est vrai. Et que vous trouviez en vous-même un certain apaisement. Et ça peut se faire. Ah, c'est pas d'un coup de baguette magique, hein, c'est évident. Mais c'est finalement parce que quand on va chercher comme ça à l'extérieur et auprès d'autres personnes, la sécurité, la protection, c'est toujours compliqué parce que on reste toujours un peu, voire beaucoup vulnérable parce que ben, on est dépendant. C'est-à-dire que si cette personne vient à manquer pour X raisons, on est fragile, quoi. On est on n'est pas sur ses deux jambes debout, quoi. On est sur des béquilles. Oui, tout à fait. On est sur des béquilles. Alors, je ne vous dis pas, je vais pas vous mentir, que quand on a manqué même si on a été aimé, hein, je comprends très bien ce que vous voulez dire dans son enfance, mais que, peut-être parce qu'on avait des parents un peu immatures ou un peu insécurisés eux-mêmes ou qui avaient du mal, ou une mère qui aimante, qui avait de l'amour, mais qui ne savait pas être maternelle. Ça existe. Hein, il y a des mères qui sont aimantes, qui aiment leurs enfants, mais qui ne sont pas maternelles. C'est-à-dire qui sont pas démonstratives, qui savent pas être dans ce corps à corps avec leurs petits, ce côté très rassurant, protecteur, voilà, dont on a terriblement besoin quand on est petit. Oui, ça laisse des traces. Et c'est vrai que ben on sera moins sécure que certaines personnes. Mais on ne sera pas aussi angoissé que vous l'êtes. On peut diminuer la charge d'angoisse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut passer une journée, on peut, sans être comme ça, arriver à un portable, à attendre un coup de fil. Et on peut, voilà, être plus apaisé, moins en état de tension, comme ça, pas perdre du poids. Si on peut diminuer un peu la charge d'angoisse... on se sent mieux et puis vous savez, toutes ces tensions qu'on accumule, c'est pas bon mentalement, mais c'est pas bon aussi pour votre santé, hein, physiquement, parce que vous savez, les tensions qu'on accumule aussi psychiquement, l'organisme, ça rejaillit aussi. Ah bah ça se voit, hein, de toute façon, les 10 kilos, je veux dire... C'est pas bon tout ça. Donc je pense que si vous voulez d'aller parler de ces manques, de ces carences, ça... On répare jamais, on ne comble jamais, mais on arrive à prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Et du coup, être un peu à distance de ce qui nous fait souffrir, ça permet d'aborder les choses avec un peu plus de sérénité, c'est un bien grand mot, mais un peu plus de recul. Parce qu'on a vécu quand même avec la personne que je connais... De bons moments, je veux dire, quand on se voit, c'est magique. Mais j'ai compris. C'est magique. Alors, comme dit Marie-Claude, donner tout et n'avoir aucun retour et attendre le miracle qui ne vient pas est très douloureux. Et puis, le subversif qui dit, on donne à celui qui ne donne pas, car on donne ce qu'on aimerait recevoir.
Oui, mais au lieu exact du manque, c'est-à-dire voyez, ça fait qu'on reste toujours dans le manque. Voilà. Hein. Oui, tout à fait. Bon, donc oui, c'est ça, c'est donner ce qu'on aimerait recevoir, mais en fait, on est toujours dans le manque parce qu'on donne à celui qui ne donne pas. Ouais. Donc on entretient. Ouais. Donc à un moment, il faut sortir un petit peu de ça. Donc quand vous dites j'aimerais décrocher, prenez-le vous au mot, prenez-vous par la main. Vous dites je peux en parler à personne, si. Allez en parler à un thérapeute, dans l'intimité, rien ne sortira du cabinet, et vous verrez que petit à petit, vous serez un peu moins indépendante et un peu moins vulnérable. Bon travail, Laurence. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Caroline. Caroline Dublanche sur Europe 1. Nina Simone, My Baby Just Care For Me. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil à Jean-Paul de Saint-Malo, qui dit, c'est un jour anniversaire pour moi. Ça fait exactement 9 ans que j'écoute l'émission, me dit Jean-Paul. Merci beaucoup, Jean-Paul, de votre fidélité. Et on accueille maintenant Laurence. Les Laurences se suivent et ne se ressemblent pas. Ce soir sur Europe 1. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous téléphonais parce que j'ai entendu votre émission un petit peu par hasard. Ce soir, j'étais dans ma voiture toute seule. Et donc, moi, je vais vous raconter un petit peu les choses dans l'ordre chronologique de façon à ce que ce soit un petit peu plus cohérent. Donc, j'ai rencontré un homme en janvier 2008 sur Internet. C'est un homme sur lequel au départ je ne me faisais absolument aucune illusion. Et puis s'est trouvé que les choses ont avancé doucement. 5 ou 6 mois après, il a commencé à me faire part des sentiments qu'il avait vis-à-vis de moi. Donc ça a été un petit peu le facteur déclenchant. Et puis il se trouve que malheureusement en juillet 2008, mon fils s'est tué dans un accident de moto. À l'âge de 20 ans. Donc, cet homme a été présent, m'a beaucoup soutenue. Le lendemain de l'accident de mon fils, je lui ai dit « Écoute, je comprendrais très bien que tu ne me suives pas. On ne se connaît pas, c'est pas depuis très longtemps. Ce sera très lourd à porter pour moi et je comprends très bien que je préfère que tu me laisses maintenant plutôt que de me laisser dans 3 mois. Quand ce sera pire, quoi. Donc, il m'a suivi, il m'a dit non, j'ai des sentiments pour toi avant, il n'y a pas de raison que les sentiments ne continuent pas. Donc, il m'a beaucoup soutenu. C'est là qu'il a commencé à me dire, écoute, viens vivre avec moi à Toulouse. Et donc, moi, c'était un petit peu le moment de panique parce que, j'avais pas envisagé les choses comme ça. Et puis les choses se sont faites doucement. Et puis il a eu un projet pour partir travailler un petit peu, 500 km de chez lui. Il m'a demandé de le suivre. Donc j'ai tout quitté, travail, appartement, amis, etc. Je me suis donc installée dans une région où je ne connais personne. Et puis là, je me retrouve avec beaucoup de questionnements. C'est un homme qui est très séduisant, très charmeur, très séducteur. Et donc, je savais très bien dès le début que c'était un homme à femme. J'ai toujours connu que des hommes à femme. Je n'avais pas, tant que j'étais pas avec lui, parce qu'on vivait à 200 km l'un de l'autre. Donc, je n'étais pas avec lui, je ne m'étais pas rendu compte comment il était. C'était un homme qui était perdu, qui ne travaillait pas, qui venait de divorcer. Mais de quoi vit-il alors ? Là, pour l'instant, de rien, de chômage, tout simplement. Et donc, on est venu dans la région PACA parce qu'il avait un projet d'emploi qui ne s'est pas fait au dernier moment. Donc moi, le processus de démission de mon travail était déjà fait. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc on a dit, tant pis, on va s'y installer quand même et puis on verra une fois sur place. Et puis moi, je me suis installée en septembre l'année dernière.
Les premiers mois ont été extrêmement difficiles. Et puis on a vécu, bon, là, le début de l'année très très bien. J'avais l'impression de lui avoir donné un équilibre. Et puis il avait engagé une formation qu'il a laissé tomber. Et il s'est installé donc dans une résidence. Il m'a demandé absolument, il m'a dit « je ne m'y installe que si tu me suis ». Donc on a chacun notre studio dans la même résidence. Et depuis un mois, c'est du n'importe quoi. Il part en vrille. Bon, il a perdu son père. Il a le fait d'avoir fêté ses 50 ans. Est-ce que c'est ça qui le fait perdre les pédales là, depuis un mois et demi? Quand vous dites qu'il part en vrille, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il, par exemple, il me dit, quand tu seras dans la résidence, on cherchera ensemble un travail. Il me dit, on va se relayer l'un et l'autre pour trouver du travail, etc. Et puis là, ça fait 3 semaines qu'on n'avance pas. Ça fait 3 semaines que je lui dis. Donc, il y a eu quelques conflits. Il y a des moments. Alors, au mois de novembre, il avait fait la connaissance d'une femme. Apparemment, j'ai senti qu'elle était un peu plus que les autres, et il me l'a dit d'ailleurs. Et puis un jour où j'en avais marre, parce que là, il ne me respectait plus du tout. C'est-à-dire que il me disait qu'il venait, il venait pas. Je passais des journées à l'attendre. Et donc un jour, j'ai voulu l'envoyer un petit peu dans la gueule du loup, et donc je l'ai fichu dehors, puisque c'était moi qui avais l'appartement. Je l'ai fichu dehors, pensant qu'elle allait rejoindre cette femme pour l'obliger à faire un choix. Et au lieu d'aller chez cette femme, il est rentré chez lui. Et 3 jours après, il avait rompu avec cette femme. Et donc, il me dit qu'il m'aime. Il me dit qu'il tient à moi, il n'arrête pas de me dire « si tu t'en vas, je repars aussi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois près de moi ». Et puis à la fois, il a ses femmes autour de lui qui défilent. Il m'affirme que ce n'est pas des relations sexuelles qui l'intéressent, que c'est le besoin de séduire. Qui fait qu'il a besoin d'avoir toutes ces femmes qui le flattent. Oui. En fait. C'est possible. Alors, je me dis, est-ce que c'est possible qu'un homme puisse aimer une femme et avoir le besoin d'aller effectivement faire ce travail de séduction en dehors? Oui. Bien, oui. Ça. Il y a des hommes qui ont besoin comme ça d'avoir un port d'attache, hein, une femme qui les sécurise, qui les apaise, qu'ils aiment, dont ils se sentent aimés. Il y a souvent une dimension un peu maternelle, hein, chez cette femme. Tout à fait. Moi, oui. C'est vrai que je sens que des fois, je lui dis, je suis pas ta mère quand même. Oui, vous sentez ça, oui, c'est ça. Il y a... Et puis à côté de ça, ce besoin d'être comme ça, entouré, de sentir qu'ils peuvent plaire, séduire, quitte à avoir, ça peut aller jusqu'à des aventures. Oui, tout à fait. Bon, il en a, hein, mais il me dit toujours, tu sais, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais en même temps, vous me parlez de lui, mais vous dites que vous, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes attiré par vous avez été tout le temps attiré par des hommes à femmes. Tout à fait. Hein, donc par des séducteurs, ouais, voilà. C'est ça. Ces hommes-là aussi vous attirent. Alors c'est vrai que c'est évidemment ils sont forcément très séduisants, hein, ces hommes-là. Mm-hmm. Oui, ils sont séduisants, et c'est vrai que le fait d'être aimé, d'être à un moment l'élu, c'est aussi très très valorisant. Oui. Mm-hmm. Hein, de se dire on sort du lot, c'est-à-dire que c'est flatteur aussi. Pour moi, c'est flatteur dans la mesure où je suis quelqu'un
qui n'est, bon, on me dit jolie, agréable, etc. Bon, je suis pas, comme j'ai toujours, je suis pas un canon de beauté, mais alors d'un autre côté, je me dis effectivement par rapport à ces autres femmes. Bon, quand il me montre des photos des filles qu'il rencontre ou bon là par exemple. Oui, mais pourquoi il fait ça? Parce que alors ça. Et ça, je lui ai posé la question. Oui, alors ça, ça en revanche, je trouve ça. Ça, je là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu c'est assez manipulateur, ça, je trouve. Tout à fait. Parce que c'est vous mettre en rivalité avec ces femmes. Mmh. Ça ne va pas. Mmh. Parce que si vous voulez qu'il quand il vous dit bon j'aime plaire, vous voyez que c'est un homme bon, vous savez que c'est un séducteur, ça se voit, il y a des femmes autour de lui, mais de là à aller vous montrer les photos, ça va quoi. Oui, tout à fait. Vous voyez, il a pas à vous montrer les photos, à vous mettre les photos sous les yeux, à vous en, encore moins à vous en parler. Enfin, là, c'est n'importe quoi. Parce que clairement, il vous met en rivalité avec ces femmes. Et on sait que dans ces cas-là, il n'y a rien de tel pour s'attacher quelqu'un. Mmh. Parce que ça fonctionne très très bien, qu'on soit un homme ou une femme. Quand on nous met en rivalité avec quelqu'un d'autre, oui. C'est un aimant puissant, c'est-à-dire qu'on a envie d'être celui qui va gagner. On n'aime pas perdre. Mmh. Et puis on rejoue des situations de l'enfance, situations édipiennes. Enfin, il y a quelque chose de bon, de complexe derrière. Mais de la part de cet homme, là, il y a de la manipulation. Hein. Mmh. Mmh. Donc alors, méfiance. Hein. Oui, alors bon, moi, ce qu'il y a, c'est que... Alors, il me dit, mais pour quel plaisir tu as me montré? Oui. Il me dit, c'est pour te montrer que ces filles, j'en ai rien à faire, en fait. Non, là, je suis désolée, non. Je suis désolée. S'il a d'autres façons... Il y aurait bien d'autres façons de vous montrer que ces filles, il en a rien d'autre à faire que de vous mettre leurs photos sous les yeux. Mmh. Hein? Parce que la photo sous les yeux, c'est... Voilà, tu les vois, elles sont bien en face de toi, et vous avez... comme ça, vous pouvez vous fixer une image. Hein? C'est-à-dire que c'est pas comme ça, des femmes sans visage, sans corps, sans rien. Tout d'un coup, vous les avez bien voilà, en face de vous. Ouais, donc oui. Là, je suis désolée, argument absolument pas recevable. Mmh. Non, alors, pas du tout. C'est tout l'inverse. L'inverse, parce que si vraiment il voulait, il pourrait vous rassurer sur les sentiments qu'il vous porte. Mmh. Et vous dire, reconnaître, dire oui, malheureusement, même à 50 ans, il a encore ce côté immature, mais on a tous des points comme ça, des zones immatures, quel que soit notre âge. Il y a des jeunes de 20 ans qui peuvent être très matures, et à 60 ans, on peut rester encore très immature, ou 70, ou je ne sais quoi, et puis même, quel que soit l'âge, on a des points comme ça immatures. Mais la prudence, parce que c'est manipulateur, ce qu'il fait. Hein. Ouais. Bon, on va devoir se quitter, Laurence, mais quand même, faites attention à vous. Si vous voulez qu'on en reparle un peu plus longuement, vous pourrez me rappeler. Mais prudence, parce que je trouve pas ça clean, là, ce qu'il vous fait. Hein. Ouais, mettez de la distance, en tout cas, n'acceptez pas ça. Les photos, c'est bon, tu les remballes. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Entendu. Bon courage à vous. Merci. Au revoir.